Ouais. Non. Bonsoir. Comment ça va? Tu veux faire les sardines? Moi, je n'arrive pas. Tu veux faire les sardines? C'est différent. On fait des autres plantes. Sardines. Bon, on va commencer avec les sardines. Je passe mes nids dans le sol. C'est le trac. Est-ce que quelqu'un connaît Alex Métayer ici? Ouais. Oui. Bah, levez la main, levez la main ici. Oui, oui, on connaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout? 6. 7. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le faire découvrir. La douleur peut être le produit de l'imagination. On a mal parce qu'on a peur d'avoir mal. À l'idée qu'on va me faire un plombage, j'en suis mal. Entre nous, un plombage, qu'est-ce que c'est? Hein? Quand tu réfléchis bien. Voilà. Voilà. Souviens-toi bien du plombage de la dernière fois. J'arrive. Bonjour docteur. Oui, aujourd'hui je suis détendue, il n'y a pas de mystère. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que vous allez me faire un petit plombage. Avant, j'étais obligée de faire une piqûre. Non, j'ai pas peur, mais la piqûre m'impressionne toujours un peu. Oui, vous avez raison, c'est ridicule, exactement. Ce n'est jamais rien qu'une aiguille qu'on enfonce dans la gencive. Je l'aurais pas dit en France. Même le mot m'impressionne, vous vous rendez compte? Oui, vous avez raison, c'est ridicule, exactement. La douleur fait partie de la vie, et il faut l'accepter. Je vous observe, docteur, je vous observe. On n'imagine jamais qu'une aiguille aussi longue soit nécessaire pour faire une piqûre. Surtout dans une gencive. Oui, vous avez raison, c'est ridicule, exactement. Il vaut mieux pas que je regarde ce que vous faites et parlons d'autre chose. Pardon? Le dernier film que j'ai vu, ben, si ça vous intéresse, je vais vous raconter ça, hein. C'est en fait un film de science-fiction américain. Il sort pas terrible. À la suite de manipulation génétique, il y a des femmes qui donnent naissance à des enfants qui sont faits d'un stupide bon. Et alors, dans cette histoire, il faut y aller où? Attendez, j'ai pas tout dit. Ces enfants, au départ, ils sont normaux, puisque les pattes d'araignée ne poussent qu'à la puberté. Ça, il vaut mieux savoir, hein. Attendez, les détails. Ces enfants se reconnaissent entre eux, parce qu'ils ont une manière très, 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 très bizarre de marcher. Je peux vous montrer, j'en ai pas pour longtemps. Merci. Ben, en fait, au départ, ils ont les bras collés le long du bord, comme ça, et à la puberté, quand les pattes leur poussent, ils marchent comme ça. Oui, bon, je veux pas qu'on mette en table. Attendez, les détails, sinon vous comprendrez rien. C'est la nuit que les araignées attaquent les gens. Elles en font standard. Ah, j'aurais pas vu d'enfance, j'ai d'enfance. Oui, on y va de temps en temps. Si vous supportez la roulette, je serai pas obligée de vous faire une piqûre. Ne bougez pas la tête, ça peut être dangereux. Regardez-moi dans les yeux, ça va bien aller, là. Laissez tranquille. Ne vous crispez pas, vous activez la douleur, là, ça sert à rien. Regardez-moi bien dans les yeux, là, ça va vous faire confiance. Là. Allez, regardez-moi. Vous enfoncez pas dans le fauteuil, je suis obligée de vous chercher là, restez tranquille. Oui, non, je sais, je vous fais mal, je vous sens là. Oui, je sais, ça fait mal, oui, bah, c'est normal, c'est plus de notre dentiste. Hein. Non, pardon, excusez-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Oui, bon, attendez 5 minutes, j'ai un problème avec ma patiente. 5 minutes. Ne fermez pas la bouche, j'ai pas de. On est prêts? On les reprend cette dent? Allez, c'est parti. Allez, hop là, voilà, c'est presque fini, bravo! Il faut jamais penser au dentiste. D'ailleurs, il y a 3 choses qu'on peut pas regarder en face: le soleil, la mort, le dentiste. Thank you.